Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, on est sur Manor Lord. Et on va encore ajouter un étal de nourriture, ok. C'est peut-être la bergerie qu'il a rajouté. Donc ils ont peut-être vraiment un truc par personne. On a un espace pour avoir plein de moutons. Faudrait que quelqu'un... J'ai mis quelqu'un dedans? Non, ah ça se trouve. Faut quelqu'un. Sauf que j'ai personne pour l'instant. Il est utile lui, je pense qu'il augmente le niveau de foi. Eux ils ont rien à faire, hop c'est parti. On a une production de tuiles, on a toujours une production. Ah non, pas trop, bon, on va réduire la... On attend les transporteurs qui tournent à pleine balle pour aller chercher des ressources assez loin. Une nouvelle compagnie mercenaire si besoin. Mais il n'y a pas besoin. Là-bas, il y a un peu de monde qui travaille. Mais il n'y a plus de pierre. Plus de pierre du tout. Ok. Donc, eh bien, au revoir la carrière. S'il me reste encore un peu de fer. Bon, l'argile, il y en a beaucoup. J'ai pas d'autres sources à exploiter sur mon terrain. Donc il faudrait que j'aille sur le terrain d'un voisin. Et pour ça, il vaut mieux que j'ai une petite armée. Sachant que j'ai des pillards en approche, donc je pense qu'on ira affronter les voisins plus tard. Alors, il quitte tes buffs, c'est bien. J'espère qu'il est toujours labouré. Oui. Ensemencement 92, qu'est-ce que c'est que cette histoire? On est en plein hiver. Peut-être un problème sur les cycles. J'espère qu'on arrivera à faire une grande récolte de blé. De ce côté-là, ils nous font toujours des lances. Ici, ils nous font des grands boucliers. Et théoriquement, on devrait avoir plus de lanciers, sauf que on en a pas tellement plus. Je sais pas pourquoi on a systématiquement deux bonhommes pour une nana. Du coup j'ai zéro archer. Mais je pourrais théoriquement dire que eux maintenant ils font des arcs quand on aura assez. Planche, réserve de construction. Les pierres réservées ne sont jamais utilisées pour l'artisanat afin qu'il reste assez de matériaux bruts pour la construction. Nickel. Je n'avais pas remarqué qu'on pouvait faire ce genre de choses. Demander au bâtiment de réserver des trucs. Place en étable, pâturage. On a beaucoup de pierres. Que j'ai pris? Non, j'ai pris la fabrication d'armures rudimentaires. Donc je dois pouvoir faire des casques dans un atelier d'armurier. Et si j'ai bien pigé l'atelier d'armurier, c'est pas ça? Non, ça c'est une forge. C'est une amélioration l'atelier d'armurier? Oui, d'accord. Et ben on peut peut-être le faire là. Quand j'aurai les planches qu'il faut. Je n'ai pas de planches. Ils attendent tous. Personne n'a l'air motivé pour leur amener du bois. Ah, peut-être là.
Là on a du bois en stock, plein, même trop. Fait qu'il y en a qui attendent. C'est un comble. Eux ils sont tous actifs peut-être. Transporte, récupère de l'eau, transporte, commerce. Step right up and sample. Don't be shy, good sirs and ladies. Good sirs and ladies. On n'a pas besoin de chasser. Oh, 5 dans le pâturage. J'avais pas de ticket. Voilà où sont nos moutons. Donc on n'a pas tellement besoin d'importer plus de moutons. Et on peut avoir quelqu'un à la bergerie qui va s'occuper de récupérer de la laine. Le voilà. Ah, il manque des recrues. Ah, parce que je pense que c'est distribué entre les archers et les lanciers. Et les archers, il leur manque de l'équipement. Donc à tous les deux, on s'en sort pas. C'est-à-dire que si c'est réparti à part égale, ouais, on doit avoir à peu près 40 monsieur. 42 plus exactement. Et il veut m'en mettre 21 dans chaque. C'est très gentil. Qu'est-ce que je voulais faire? Des armures. Est-ce que eux ils ont besoin d'armure? Oui. De préférence. Ça les aide à survivre, ça me sera bien utile. Donc si on manque de recrues, c'est-à-dire qu'il faut que je fasse plus de maisons en fait. Alors il va me falloir encore une malterie. Et une taverne. Je vais pas avoir tant de place pour ajouter des maisons en fait. Ou alors faut que je fasse un deuxième marché. Possible aussi, hein, je mets une ligne de bâtiment ici. Une ligne de maison. Un marché. Un entrepôt et un grenier. Puis à nouveau, maison, bâtiment. On est vraiment léger niveau nourriture. Visiblement, les graines poussent sous la terre pendant l'hiver. En vrai ça va hein. C'est-à-dire on a beaucoup d'œufs et beaucoup de légumes. Ah il faut que je fasse un type qui fait des vêtements aussi. Un tailleur. Sachant que maintenant on va avoir des... De la peau de mouton, de la laine plutôt. On va réduire. Ah, c'est déjà à zéro, très bien. Ici, c'est fini. L'avantage des archers, c'est qu'ils me coûtent du bois et que c'est une ressource renouvelable. Les lanciers, c'est pas le cas. Quand le bandit a été repéré. Ah, ils sont censés m'attaquer super rapidement, les bandits. Donc, on va changer de plan. On va retirer cela. Et maintenant, tout le monde est censé
recrues manquantes. Se retrouver dans ce bataillon là. Et on va peut-être payer quand même des mercenaires. Alors petite pause, enregistrer la partie. Coffret de la forêt, brebis galeuse, Zeyo of Zen, Ime, Ainge. Mieux que ça arrive en Zeyo, mais c'est loin quand même. Bon, j'ai sauvegardé, on va tenter le combat sans avoir mieux. Dommage que j'ai pas fait des boucliers plus tôt, parce que là j'ai tout ce qu'il faut. Oh. Et que j'ai pas fait des grands boucliers, parce que du coup j'ai fait 7 petits boucliers pour rien. On peut augmenter le nombre de fabricants de boucliers. Je sais pas si c'est très utile, c'est juste qu'on manque de planches. Ça bouffe toutes les planches. Ah, c'est pour ça aussi qu'on n'a pas beaucoup de planches. Ok. Ils vont arriver dans le sud, probablement, depuis hors de la carte. Les gens sont très contents. Nourriture variée, des vêtements, de la foi. On va atteindre les 100% quasiment. Un armurier et un tailleur. Ouais, j'ai pas de planche, tout est dévoré. Alors, une bande de pillards. Ok. Alors, ils arrivent de loin et ils passent par le terrain de mon voisin. Donc, avec un peu de chance, je vais bien m'en sortir. Qu'est-ce qu'il advient de la laine? Je ne sais pas. C'est un peu étrange d'affecter les gens 3 par 3. Ça donne des choses un peu curieuses, je trouve. Est-ce que ce sont eux qui vont chercher les troncs? Je pense pas. Je pense qu'ils leur sont amenés soit d'ici, soit probablement de là-bas. Par bœuf. Pourquoi il voyage vite lui? Oh là là. Peut-être que le bœuf va se reposer. J'espère. Lui il se repose déjà. Là il y en a tout plein qui attendent, c'est pas très efficace. Ah, je pourrais leur affecter une bête. Jorg qui attend un guide. Et sinon je pourrais refaire un petit bûcheron quelque part. Ça passe ici? Non, ça doit passer là par contre. Hop. Alors on pourrait faire un truc du genre toc. Pas trop, plutôt comme ça. Ça sera quand même très loin de l'entrepôt. Est-ce qu'on ferait pas un autre entrepôt?
On va peut-être stocker l'argile. Non, c'est pas très très utile. Faisons plutôt juste une série. Oh bah c'est génial ça. Et à baston et je ne suis pas impliqué. Ah il est plutôt fort le seigneur local. Nushal, j'espère que c'est pas... C'est celle que je veux. Mais je me débloque trop lentement hein, pour arriver à suivre le rythme. C'est comme ça. Construisez-moi la maison s'il vous plaît. Pourquoi il y a des fondations aussi impressionnantes pour la série? Ça va, on a encore du bois de chauffage. Ça, on est passé très bas quand même. Alors, le champ, on est censé ensemencer. Mais il a déjà partiellement eu de la croissance. Étrange. Alors, ici, il n'y a personne qui travaille, c'est bien. Chasse, bah, c'est déjà chassé. Ça on va réduire pour l'instant. De toute façon on pourra mettre plus de monde au champ. En mars il fait beau. La plupart ils transportent donc on va dire qu'ils sont utiles. On a déjà un paquet de tuiles apparemment. On en a 58, c'est bien. On manque de planches. Parce qu'on manque de bois. J'hésite à me refaire un bûcheron, genre par là. Il va être aussi très loin, mais... Peut-être là. J'ai peur d'abîmer le truc à haie, mais je pense que ça n'a pas d'impact. Tant qu'on se met pas dessus. Ça veut dire que j'ai plus personne si je fais ça. Alors, un autre souverain, son armée qui passe chez moi. Ouais. J'imagine bien. Je sais pas à quoi il sert lui. Entre à la maison, il attend. Franchement, je me demande bien. On a beaucoup de lances. Peut-être qu'on pourrait changer d'activité. Ce qui coûte des planches d'ailleurs. Est-ce qu'on peut dire faire rien du tout? J'ai pas l'impression. Ensuite, bonhomme, on a dans l'armée. C'est bien. On a beaucoup de pierres. J'ai presque envie de refaire un marché par là. Un marché et un entrepôt ou juste un marché? Peut-être juste un marché. Celui-là, il alimente déjà très loin. Sans que ça pose de soucis. Je pourrais peut-être ajouter quand même 2-3 maisons.
Pente trop abrupte. Je peux faire une maison peut-être? Non, c'est trop abrupt aussi. Par là alors? Ça, ça les mettrait proche du marché. Je peux pas placer entre les deux. Si je peux. Ah, je peux décoller, coller route. Ah, oh, bah, il se met toujours comme ça. J'aime bien que chacun ait son petit jardin derrière. Pas grave, on va construire comme ça. Hein. On va dire qu'ils sont encore assez proches du marché. Ils sont pas beaucoup plus loin qu'eux. On commence à avoir des planches. Mais ils attendent tous, hein. Faire un truc tant que ça coûte pas. Alors, tailleur, on va dire. Bon, on verra quand ce sera construit. Ah, on est en mode lent. Allez, speed un peu. Oh, le champ est bien planté. Il est à 51 de croissance. Firewood, firewood. On est à 100, waouh. La construction de bâtiments demande au moins une famille sans affectation. Ah bah oui, c'est vrai. Vous avez bien raison. Et là j'ai bien besoin de collecteurs de baies. D'ailleurs j'en aurais besoin de plus si c'est possible. Hop là, on n'a pas besoin de personne, on a besoin de personne. Là on va dire que c'est pas nécessaire non plus. Je pense que j'ai qu'à faire 320 de blé. Ok. Et il me reste 160 jours. À peu près un blé par jour de l'année. On va avoir des gros gros stocks de pain avec ça. Les planches, on est toujours bien léger. On n'a pas de bois. Je sais pas ce que font les bœufs. Il y en a qui attendent. Comment ça vous attendez? Et ils font quoi les gens? Ils guident des bœufs. Eh ben peut-être qu'il faut une famille de plus pour guider les bœufs. Hein. Entre à la maison. Entre à la maison. Et que vous vous occupiez des bœufs. Transportez le bois. Là, les arbres n'ont pas l'air de monter. Je sais pas s'il faut que je fasse une hutte de sylviculture.
Ah, je peux défaire une zone de travail. Donc je peux leur dire d'aller couper les arbres qui sont là-bas. Ok. Après là on a les bus qu'il faut, hein. Faut juste les transporter. Il y a pas mal d'actions qui repassent en vitesse 1 et à chaque fois je me dis oh, qu'est-ce que c'est lent. Ils attendent, pas très utile. Et toi, t'as aussi le droit à 5 de réserve en construction. Très bien. On a plein d'outils. Pas leur dire de rien faire. Peut-être. Ouais, nickel. Enfin, quoi que je peux leur dire de continuer les outils, c'est juste j'ai peur de plus avoir de lingots de fer après. Bon, on va les laisser en pause pour l'instant. Vous faites si possible des boucliers. Et là. Toile teinture. Fil, toile, faut que quelqu'un fasse de la toile en tout cas. Et la toile, je crois que c'est à base de lin. Mais bon, on peut toujours faire un atelier qui servira. Pas un gros stock de nourriture. Par contre, les baies, il y en a plein, plein, plein. Ah, faut peut-être quelqu'un. Ici. Pour aller les chercher. Alors, je sais bien qu'il faut que je retire. Hop, un bonhomme, très bien. On a assez de tuiles pour l'instant. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour monter d'un niveau de plus? Il faut commencer à avoir des maisons de niveau 3. Quasiment rempli notre unité de milice. Faudrait leur faire des pièces d'armure maintenant. D'abord les casques. Je pense qu'il me faudrait 3-4 unités de milice. L'emporter facilement sur deux unités adverses. Qu'est-ce que ça dit mon manoir? Ça dit que j'ai pas de planche. Et d'ailleurs ici, on va leur aussi leur affecter une bête pour pouvoir aller chercher leur bois eux-mêmes vu que personne n'a l'air de vouloir les aider. On est loin d'avoir du surplus en laine. Donc ils attendent. Hop.
Là, théoriquement, les arbres poussent tout seuls. Il y a beaucoup de souches, ce qui laisse à supposer que les ont utilisé récemment. Enfin, ils ont coupé récemment. Enfin, ils ont coupé. Je sais pas si les souches sont retirées ou si elles restent à un moment. Elle a besoin de bière pour fonctionner. J'aime bien la petite touche d'humour. Comme bon nombre de vos citoyens, ce bâtiment a besoin de bière pour fonctionner correctement. Ah, mes citoyens sont des alcoolos. Ils ont besoin de bière pour fonctionner. Oh là là. On a des œufs et des légumes. Ça, c'est une bonne nouvelle. Well, perhaps it was simply a bad bet. These things do happen from time to time. On monte au niveau 2, ouais. J'ai fini de construire un bûcheron par là? Non. Hop, on va le booster un peu. Pourquoi je suis repassé en mode lent? C'est pas vrai? Ici, je peux améliorer l'espace de vie. Ça, on pourra avoir plus de monde. On va acheter un bœuf de plus. Monter à 8, c'est bien utile. Cette population, cette sensible cause une diminution de votre popularité. Consultez la fenêtre bâtiment pour plus d'informations. Là, j'ai aucune info. En attendant, je pense que c'est qu'il leur manque des trucs. Il manque de la variété de nourriture, il manque des vêtements et ils ont pas de bois. Ok, je vois. Eux non plus, ils ont pas d'approvisionnement en nourriture correcte. Et je viens de leur dire d'augmenter la population. Faut pas que je les monte de niveau, sinon après ils vont avoir encore beaucoup plus de besoins. Et ça va râler. C'est pas un souci. Ça, il va nous faire des bûches. Il y a toujours deux qui attendent. Ah, on a des planches maintenant. Et je peux même améliorer mon église. Très haute. On va dire élevée, mais pas vraiment très prioritaire. Maintenant, je suis obligé de mettre eux en très haut si je veux qu'ils se terminent d'abord. On a à peu près fini la chasse. Teinture, c'est en cours. Ici, on a des planches. Ça croit bien et il pleut des trombes. J'imagine que c'est bénéfique. We all know what that means.
j'ai des familles qui ont emménagé pas récemment. Eux par exemple, j'ai récemment... Si, ils sont du monde. Eux aussi. Ouais, très bien. Les maisons se remplissent vite. Là, pour l'instant, c'est pas le cas. J'aime bien comment le seul bâtiment éclairé, c'est la teinture. Ça doit être les feux qui font cet effet-là. Tous les autres, bah, ils ont une ombre, puis c'est tout. Et la teinture, elle est rouge, la maison, tellement elle est éclairée. Alors, est-ce que je vous fais une expansion d'arrière-cour? Pourquoi pas? On a des pots, on en a pas des tonnes et des tonnes. Allez. Vous. Payer de plus? Ouais. On mange quand même beaucoup d'œufs. C'est-à-dire qu'il n'y en a pas assez. Alors, on n'a pas fini l'atelier de tissage. C'est bon. Hop, on va mettre une famille pour attraper les quelques bestiaux. Les moutons, on en est à 9, c'est bien. Là, il y a une espèce de petit glitch visuel. Rien de grave. Mais d'accord, qui replante derrière. Là, ils ont vraiment fait une clairière. Ah, j'aurais dit de travailler par là, donc ils travaillent par là. Faut pas qu'ils surmènent la forêt. Oh, on a encore beaucoup de baies. Mais il y a beaucoup de gens qui travaillent, donc tout va bien. On va augmenter la quantité de collecteurs. Apparemment, les outils font partie de la catégorie construction. Il doit y avoir des trucs qui demandent des outils. Petite église de pierre, ce qui fait que maintenant, même mes citoyens de niveau 2 sont satisfaits. C'est une bonne nouvelle. La taverne, j'ai pas ce qu'il faut encore. On est en juin. L'atelier de tissage, j'en ai fait un. Ah, il est toujours en construction. Je peux faire plein de choses à la fois. Hop, c'est bien, vous avez attrapé quelques bestiaux. Travaillez où vous voulez, je m'en fiche. Juste assurez-vous de couper des arbres quand même. Des animaux sauvages ont migré. Se sont foutus où? Oh là là. Bon, juste à côté, c'est pas grave. Mais ils se sont mis dans mon village ou quoi? Je ne peux pas... à une migration, c'est-à-dire qu'ils vont juste bouger si je construis une maison. Bon, on va les laisser là, hein. Tant que j'ai rien à construire dans ce secteur. Ça tombe bien que j'ai fait les maisons d'abord. Je pensais que quand ils avaient une migration, c'est ils s'en vont et puis c'est tout. Apparemment, il y a aussi des migrations naturelles. Parce que là, j'ai pas construit chez eux, j'ai construit de ce côté-là. Alors, il y a des gens qui sont en train d'arriver. Ça, c'est des maisons individuelles. Ah, donc j'aurais peut-être dû en
m'en servir pour les aider à quelqu'un. Bon, maintenant c'est un peu tard. J'ai fait faire des vêtements. Théoriquement, on va avoir des fils et de la teinture. Tissage. Ils font de tout et j'ai pas besoin de m'en soucier. C'est chouette si c'est ça. Ils viennent de prendre du mouton et ils font du fil. Très bien. Donc, toi, mon gars. Non, à côté. Vous êtes une famille de fabricants de manteaux. Puisqu'on a du fil et de la teinture et qu'on n'a pas de trouvaille. J'ai pas fait d'armurier, on est d'accord. Non, donc on va en faire un. On peut remettre du monde chez les chasseurs. Pas mal de planches en stock, je suis content. Combien de lances on a en stock? 21, donc on peut faire des boucliers en quantité. C'est passé un truc, stockage général plein. Zone de travail vide. Eh ben on est en août, ça tombe bien. Là vous aimez bien que vous attendez, ouais. On va remettre un peu de monde ici. Là-bas un arbre, taille un arbre. C'est vachement loin pour des gens qui font des trucs sur les arbres. Alors... Si j'ai pas choisi ce que j'allais faire en basse cour. Ouais, on va l'appeler la basse cour. C'est l'arrière de la cour. Eux par exemple, ils souffrent de manque de nourriture et de combustible, alors que le combustible on en a des paquets. Et la nourriture aussi. Je pense que c'est parce qu'ils sont trop loin. De nourriture à côté et il y a des gens qui attendent. Donc il me faut plus de maisons. Et je sais pas si j'essaie de les mettre là en me disant risque de me dire que c'est trop pendu. Des maisons sans basse-cour, mais ça, pas mon truc favori. Alors on est pas mal. Si je lui dis que t'en fais 3, c'est pas optique. Alors, toc. On va dire qu'on est suffisamment proche du marché jusque là. Et nickel. 3 grandes maisons avec basse-cour. Et après, on aura le droit à une route. Où exactement? Je peux passer par là sans qu'il râle? On dirait. Les gens qui ont des besoins non satisfaits sur le combustible.
Dès qu'il n'y en a plus au marché. Ah, parce que j'en fais plus. Bah oui, forcément. On pourrait en faire là d'ailleurs. C'est un coin boisé. Crodolphe, revendication en cours. De toute façon, tant que j'ai pas d'armée importante, je suis un peu condamné à regarder ce qui se passe. Théoriquement, maintenant on a des manteaux. Oui, on a du fil aussi. On croyait que c'est plus qu'une question de temps ou de proximité au marché. Que les gens aient ce qu'il leur faut. Un accès au marché à ces gens-là. Je vais faire un autre marché ici en disant comme ça suffisamment proche d'eux. Alors on peut faire dans l'autre sens sinon. Hop. Alors il y a de l'espace. Ah si, je pourrais mettre des étals de marché de ce côté-là. Après 4 emplacements d'étals, je sais pas où exactement. Là, il me ferait 5 emplacements. Bon, on va en profiter. De nourriture, on pourrait le déplacer. On peut le déplacer genre là. Il a pas mis droit mais bon. Vêtements, nourriture, bûche, nourriture. Pourquoi il y a, je sais pas pourquoi il y a plusieurs provisions. Ah, ça laisse les provisions, d'accord. Il faut un étal de nourriture. Ça va permettre de soulager. Donc, hop, si je décale. Les maisons du sud. En estimant que le nord est là-haut, ce qui est pas sûr du tout. Il faudra un étal de combustible aussi. Et ça alimentera bien celle-là aussi. Et si je décide de faire quelques maisons de plus, elles sont alimentées comme ça. Parce qu'après, ils n'ont pas trop besoin d'avoir accès à l'entrepôt. Elles ont juste besoin d'avoir accès au marché. On a plein de colorants. On va arrêter de s'en préoccuper. Elle est bien exposée, ben, occupez-vous-en. Oh, on est en septembre. On va réduire le tissage pour l'instant, ça tourne. La chasse. La cueillette est déjà à zéro. Le bois, vous allez passer à moins. Je sais pas s'ils produisent du bois et qu'il est tout de suite pris ou si ils font rien du tout. Bon. On est en septembre. Transporte, il y a des gens qui construisent. J'ai besoin de monde pour collecter ce champ géant. Très bien, il y a un étal de nourriture.
1400, c'est vrai ça? On va même pas avoir la place de tout mettre dans la ferme s'il y a vraiment 1400. Sans procession, profession permanente, participeront aux constructions, y compris au guidage des bœufs pour le transport de bois. Très bien. J'ai déjà deux familles qui guident les bœufs normalement. J'en ai une qui attend. Mais c'est peut-être parce que... de ma super récolte là. J'ai de blé au total 192, promettait 1000. Qu'est-ce qui se passe là? Il laboure à la main. Bah on a un bœuf. Oh là là, je comprends pas trop. Et ils m'ont laissé la moitié du champ à l'abandon. Forcer récolte précoce. Ah, dès que c'est octobre, ils arrêtent de récolter. Moi, je veux qu'ils récoltent. C'est pour ça qu'il y a 4 familles sur la ferme. Ah, j'ai des gens non satisfaits ici. Là, qui est en train de me dire, attendez. Qu'est-ce qui va pas? Qu'est-ce qui... Sans action de votre part, votre popularité baissera. Alors, j'ai une famille qui... Normalement... récupère des bûches là-bas. Qu'il en marque au marché, c'est quoi le... Elles sont où les bûches? Les 73. Peut-être que je ne vois pas tout. Ils sont dans le marché? Non, dans le marché il n'y a pas grand chose. La nourriture. Ah. Je
la récolte du champ, je serai plus serein. J'ai encore 3 maisons qui sont légères en... Je pense qu'il y a eu une pénurie à un moment. Toujours pas super large. Il y a une famille qui est censée s'en occuper. Et bientôt, il y aura eux aussi. Ça m'embête de pas avoir de statistiques. Parce que très bien, ils taillent des arbres. Comment je peux être sûr que ça va passer? J'ai pas assez de provisions en combustible. Ah. C'est bon maintenant la récolte? Presque. Des nouvelles sensives. Proche du marché et je me dis que lui il va aller déposer ses œufs là et que ça aidera un peu pour les maisons voisines. Ok, donc la récolte c'est bon, maintenant on va labourer pour planter du lin l'année prochaine. Et donc normalement pour l'instant il transporte. Et ici il me faut du monde. Hop, on va mettre pas mal de monde pour l'instant. Hop, il y a des animaux à chasser. Hop. Bref, la suite dans le prochain épisode. J'ai l'impression que la densité de la forêt a réduit. Peut-être juste parce que les bordures sont plus nettes. Ah, ou parce que j'ai demandé de couper les arbres par là et donc maintenant ça fait un terrain plus large. Normalement il devrait continuer à être efficace. Travail, abat un arbre. Il abat un arbre tout là-bas. Ok. S'il veut, hein. Tant que le bois se retrouve ici, il faut peut-être qu'ils aient une bête pour les aider. Sinon c'est plus lent. Ici ils ont besoin d'une bête ou ça se transporte à la main? Ça se transporte à la main visiblement. Est-ce que je peux racheter un bœuf? Fabrique, qu'est-ce qu'ils peuvent bien fabriquer? Ah, du grain. J'avais oublié, il faut des gens pour fabriquer du grain. La scierie, j'en ai plus trop besoin en ce moment. Attends, récolte, rentre à la maison. Bref. On verra la suite dans le prochain épisode.